Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore un partenariat avec Octoly et donc plus précisément avec la Beautiful Box de juin et avec Sephora. Donc voilà, j'ai reçu deux produits, donc la box et un blush de chez Sephora. Donc on va parler en premier de ce blush Sephora. Donc il s'agit d'un blush crème effet Bonne Mine en teinte Peach Bomb, donc 05, de chez Sephora, et donc c'est le Wonderful Cushion. Et donc voilà, ce produit se présente comme ceci. Et voilà, on a un petit tambour mousse en fait, avec dès que vous appuyez dessus, le produit qui sort. Et voilà, on a une très jolie couleur pêche. Voilà, que j'aime beaucoup. Elle se elle s'applique très bien, elle s'estompe très bien, et donc voilà, j'aime beaucoup ce produit. Donc pour les personnes qui cherchent quelque chose de très discret mais de légèrement rosé, donc voilà, on peut voir que c'est des couleurs quand même très claires, ce produit est fait pour vous. Vous aurez des updates, donc des gros plans et des swatchs par-ci par-là. Mais voilà, je recommande ce produit qui est juste génial. Donc maintenant on va passer à la Beautiful Box de juin. Donc elle se présente comme ceci. Donc les motifs que vous voyez juste ici, en fait ce sont les motifs que vous avez en tatouage. Et donc voilà, là c'est Summer Festival, So Hippie. Et voilà, je la trouve encore une fois très mignonne, très jolie. Je trouve ça juste magnifique comme box. Et donc quand vous l'ouvrez, bon ça va tout se casser la gueule si je vous montre, comme ceci. Donc vous avez encore le tuto des mines. Donc là c'est le tuto hippie chic, pardon. Comment adopter le look Summer Festival. Donc voilà, on a également le prix à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros plan sur la box et on va déballer tout ça. J'ai déjà ouvert la box pour... Donc voilà, donc on a le petit tuto comme vous pouvez voir ici avec le détail des étapes à reproduire. Et on a la jolie petite box. Donc quand on l'ouvre, ça ressemble à ceci. Et donc on a plusieurs produits à l'intérieur. Donc on va commencer en premier avec ce headband qui coûte 3€. Donc moi personnellement c'est pas ce que je préfère, enfin c'est pas mon style de headband du tout, je n'aime pas ça. Donc voilà, je pense le donner à quelqu'un ou le faire gagner, enfin je verrai. Ensuite on a ce petit rouge à lèvres, donc qui est juste trop beau, donc de leur marque, hein. Et voilà, c'est une très jolie couleur, vous l'avez vu dans mon tag Crazy About Lipstick. Sauf si je poste cette vidéo avant, bien évidemment. Et donc voilà, c'est la teinte, je ne sais pas combien, c'est la teinte Smooth Kiss je crois, je ne suis pas sûre. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, donc il tient très bien, une très jolie couleur, très crémeuse, et elle a une très bonne pigmentation. Ensuite on passe à cette CC Cream, donc que j'aime beaucoup, donc c'est la Visibility Clear Correct et Perfect de chez Neutrogena, donc en teinte claire chez moi. Et donc voilà, celle-ci elle se présente comme ceci. Donc si vous avez vu la pub de Je ne suis pas jolie, vous avez certainement vu voir ce produit. Et voilà, c'est totalement ma teinte, je me suis pas trompée en choisissant, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce produit, elle est ultra couvrante. Très agréable à appliquer, elle n'est pas du tout compliquée à appliquer, et celle-ci coûte 7,50€. Ensuite on a un petit collier à l'intérieur d'une petite, une petite pochette orange comme ceci. Et donc voilà, quand on prend le collier, donc c'est un très joli collier doré pardon, avec le petit Peace and Love. Donc celui-ci coûte 6€, c'était... Ensuite on a juste ici un soin pour les cheveux, donc intensif, soin intensif, un truc dans le genre. Donc c'est le 3 minutes miracle de la marque aussi. Voilà, donc celui-ci c'est un 75ml. Et donc celui-ci coûte 8,99€ pour les 250ml. Enfin on a presque fini, donc on a le kit le kit pour les sourcils, pardon. Voilà, donc à l'intérieur en fait on a des espèces de pochoirs pour les cils, pour choisir si on veut un effet sexy, dramatique ou autre, ou naturel, je crois, et l'autre je sais plus ce que c'est.
Donc voilà, on a le dramatique, le naturel, voilà, le délicate et le sexy. Donc voilà, on a plusieurs modèles pour se dessiner nos sourcils. On a également une petite brosse pour les sourcils et le fameux kit à sourcils avec, on a à l'intérieur donc les deux petits pinceaux. On a également donc un marron qui est très pigmenté. On a un autre marron plus clair pigmenté aussi. Une couleur très claire qui sert certainement d'highlighter. Et enfin, un gel. Pour la fin, on a bien évidemment les petits tatouages. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des tatouages aussi. Mais bon, j'aime pas du tout. Enfin, ça se rapporte au headband en fait. Et j'aime pas ça. Et enfin, les petits tatouages qui sont juste magnifiques. Enfin, personnellement, je préfère ceux-là au mois dernier. Voilà tout le monde, donc la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En soi, tous les produits me plaisent, hormis le headband et les tatouages fleuris. Enfin, moi, j'aime pas ça du tout. Après, voilà, ça dépend des styles. Mais globalement, les produits sont toujours de bonne qualité, ils sont très utiles, c'est toujours les bonnes teintes. Donc, et bien, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !